Et surtout, je te promets de tout faire pour que nous connaissions le bonheur d'avoir des enfants. Tout ce dont tu auras besoin, tout ce que tu souhaiteras, je m'efforcerai de te le donner. Je t'en fais aujourd'hui la promesse. De te montrer si compréhensif vis-à-vis de tout ça. Je t'avoue que ce n'est pas très facile. Ouais, je sais. Mais je t'aime. Je t'aime aussi. Alors, tu arrives de l'hôpital, tu as pu le voir, comment va-t-il? J'ai l'impression qu'il va s'en sortir. On en sera sûr dans quelques semaines, mais les... Enfin, le résultat des premières analyses est encourageant. Et toi, ça va? Oui, ça va bien. Ça va même très bien. Je t'ai, toi. Il paraît qu'on peut déterminer le sexe de son enfant en fonction de la passion qu'on a mise à le concevoir. Ouais, ben dis donc, si c'est vrai, je crains que tu ne donnes naissance à toute une équipe de football. Parce que c'était très passionné. Laisse, je vais répondre. Allô, oui? Ah non, je regrette, il n'y a personne de ce nom, c'est une erreur. Je vous en prie. Tu espérais des nouvelles de Chip, c'est sa cause. Et quoi? Tu te conduis déjà comme un père. Je comprends ça. Oh non, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi si. Tu te dis que tu as des responsabilités. Et je ne vais pas te le reprocher. Mais je ne sais pas si malgré tout je dois me mêler de sa vie. Victoria m'a clairement laissé entendre qu'elle ne le souhaitait pas. Et qu'est-ce que tu en penses? Elle a peut-être raison, après tout. Après tout, je n'ai aucun droit sur lui. Enfin, je veux dire, j'ai des responsabilités, oui. Je ne peux pas oublier qu'il a été conçu dans d'étranges circonstances, un peu comme si... Enfin, je sais pas très bien. Je sais pas quoi faire. Fais selon ta conscience. Tu le fais toujours.